Seigneur, ô Père Tout-Puissant, tu donnes la vie à notre terre. Le ciel au fond des nuits redit l'éclat de ta puissance. Qui ouvre les portes du royaume. En toi ressuscité, les hommes naissent à la vie. Frères et sœurs, en ce dimanche, l'Église nous invite à célébrer la solennité de la fête de la Trinité. Aussi, je vous propose que, de façon tout à fait exemplaire, nous ouvrions cette célébration en prenant bien conscience du signe que nous faisons sur nous-mêmes, qui est le signe de la croix, signe trinitaire, qui marque notre appartenance au peuple de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette cathédrale, vous qui êtes présents parmi nous, les téléspectateurs de KTO Télévision et les auditeurs de Radio Notre-Dame, et je suis heureux de célébrer cette Eucharistie avec Monseigneur Mihail, qui est évêque auxiliaire d'Alba Iulia en Roumanie et qui est venu visiter la communauté roumaine de Paris, et que nous sommes heureux d'accueillir ce soir. Tous ensemble, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Seigneur, Dieu notre Père, tu nous as envoyés dans le monde, ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute-puissante, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée, et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama : le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Aussitôt, Moïse se prosterna jusqu'à terre, et il dit : s'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. Parole du Seigneur.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est assez naturellement que la liturgie de l'Église nous invite aujourd'hui à célébrer la fête de la Trinité. En effet, le don de l'Esprit-Saint qui a été fait aux apôtres le jour de la Pentecôte et le don de l'Esprit-Saint qui nous a été fait lorsque nous avons été baptisés et confirmés est le seul chemin et le seul moyen dont nous disposons pour découvrir quelles sont les personnes
qui constitue l'unité de l'existence divine. Tant que l'Esprit Saint n'était pas répandu dans leur cœur, les disciples connaissaient Jésus de Nazareth, qu'ils avaient reconnu pour leur maître et à la suite duquel ils s'étaient mis en marche. Ils avaient entendu les paroles que Jésus lui-même avait dites au sujet de son Père, qu'il désignait comme « mon Père et votre Père ». Mais ils n'étaient pas encore entrés dans la plénitude de la relation qui unit le Père au Fils et qui leur a été révélée par le don de l'Esprit. À travers les trois personnes, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, quelque chose nous est découvert de la merveilleuse richesse de l'existence de Dieu. Bien sûr, nous sommes bien conscients, comme Moïse l'était au mont Sinaï, nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas capables de connaître Dieu dans la plénitude de sa richesse. Nous sommes bien conscients que nous ne pouvons jamais qu'approcher le plus près possible de la réalité de Dieu. Mais ce serait aller à l'encontre de toute la tradition biblique depuis la création du monde que de nous imaginer que Dieu, notre Dieu, le Dieu auquel nous croyons, celui qui nous a appelés et qui nous a choisis, de croire que ce Dieu serait un Dieu inconnaissable. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans les catégories de notre intelligence que nous ne pouvons rien en connaître. Le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu, se caractérise parmi toutes les autres divinités connues par le fait qu'il est perpétuellement en mouvement pour se donner à connaître, pour se donner lui-même, comme il le fait dès l'instant de la création où il suscite la vie humaine, pour pouvoir transmettre quelque chose de la surabondance de son amour, comme il le fait tout au long de l'histoire d'Israël, à travers les événements de cette histoire relus à la lumière de l'Écriture, comme à travers les discours des prophètes. Il se révèle comme celui qui est un Dieu tendre et miséricordieux, comme nous dit le livre de l'Exode, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. C'est ce dynamisme interne de la toute-puissance de Dieu qui veut irriguer la réalité de l'histoire humaine et parvenir à rejoindre non seulement ceux qui sont les plus attachés à lui, les plus ouverts à sa parole et à ses appels, mais encore tous les hommes et toutes les femmes auxquels il a donné la vie et auxquels il a donné vocation de le rejoindre et de le reconnaître. Ce mouvement par lequel la toute-puissance de Dieu va perpétuellement inaugurer de nouveaux chemins pour diffuser sa présence dans l'humanité. L'incarnation du Verbe éternel de Dieu dans la vie de Jésus de Nazareth. La décision extraordinaire
qui aboutit à conduire Dieu à partager l'expérience humaine, à devenir l'un d'entre nous pour que, communiant à sa vie, nous puissions à notre tour participer de l'existence divine. Ceux qui croient en lui seront sauvés, ceux qui croient en lui obtiendront la vie éternelle. Cette plongée de la puissance divine dans la faiblesse humaine est le tournant par lequel Dieu se révèle à nous, non pas simplement comme l'origine de toute chose, non pas simplement comme un premier moteur qui aurait mis en marche l'histoire de l'humanité et qui s'en serait désintéressé, non pas simplement comme quelqu'un de tout autre et d'inconnaissable, mais comme celui qui se révèle à nous comme un père, puisqu'il nous envoie celui qui se reconnaît comme son fils. Déjà, dans cette double définition du père et du fils, nous sommes introduits dans une dimension nouvelle de la relation de l'humanité avec Dieu. À travers la relation du Père et du Fils, c'est à la fois l'origine de notre existence qui est affirmée, mais c'est aussi la permanence de l'attention, de la vigilance, de l'amour, de la miséricorde de Dieu qui s'étend sur l'humanité. Cette relation du Père éternel et de son Fils, cette relation, nous ne pouvons pas l'imaginer, nous ne pouvons pas la connaître de l'intérieur, mais Dieu nous fait découvrir à quel point elle est puissante et forte en la désignant comme une troisième personne qui rassemble dans une même vision l'union du Père et du Fils en la personne du Saint-Esprit. Les théologiens ont longuement réfléchi et médité sur ce mystère des trois personnes unies dans la nature divine. Mais ce serait un tort pour nous de nous imaginer que c'est simplement une question un peu trop complexe pour que nous nous y intéressions et qui finalement ne change pas grand-chose à notre vie. Ce serait une illusion de croire que ces relations entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint sont des affaires qui se passent au ciel et qui ne concernent pas notre vie terrestre. Au contraire, nous découvrons à travers la vie de Jésus de Nazareth le don qu'il fait de sa vie, à travers l'envoi de son esprit sur les disciples, à travers la constitution de son Église pour continuer le témoignage de sa présence au milieu des hommes. Nous découvrons que cette communion étroite entre le Père, le Fils et l'Esprit va devenir comme une sorte de matrice qui va définir le genre de relations qui doivent s'établir entre ceux qui communient de cette relation. Par notre baptême, nous sommes introduits dans la communion trinitaire. Par l'Esprit-Saint qui nous a marqués, nous sommes conformés au Christ, Fils de Dieu. Et en lui, de façon adoptive, comme nous dit saint Paul, mais néanmoins réelle, en lui, nous sommes conduits à reconnaître Dieu comme notre Père. Et si nous participons de cette communion étroite qui unit le Père et le Fils dans l'Esprit-Saint, ça veut dire
que nos relations les uns avec les autres ne sont pas simplement des relations de bon voisinage ou des relations de tolérance polie, mais qu'elles doivent devenir des relations d'amour à l'image de cet amour qui nous est révélé dans l'Esprit-Saint. C'est pourquoi saint Paul disait aux Corinthiens « Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Si nous sommes unis sacramentellement à ce Dieu d'amour et de paix, cela doit transformer notre manière d'être les uns avec les autres. Comment pourrions-nous nous réclamer du Dieu Trinité? Comment pourrions-nous communier au corps eucharistique du Christ? Comment pourrions-nous accueillir son Esprit Saint sans que cette communion au Père, au Fils et à l'Esprit transforme complètement notre manière d'être et nous constitue vraiment comme des frères et des sœurs les uns pour les autres? Frères et sœurs, la fête de la Trinité, ça n'est pas simplement la fête du mystère des relations entre le Père, le Fils et l'Esprit dans le ciel, c'est la fête de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est la fête de l'amour de Dieu manifesté par l'Esprit-Saint répandu en nos cœurs. Et c'est la fête baptismale qui constitue le peuple de Dieu comme un être de communion. Rendons grâce au Seigneur qui nous associe ainsi à la richesse de l'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En ce dimanche, vous êtes priés d'ajouter à votre offrande habituelle ce que vous souhaitez donner pour le denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire l'argent que nous adressons au Saint-Père pour lui permettre d'exercer son ministère à travers le monde. Et je vous remercie d'avance de votre générosité. Expatriatum, ante omnia sit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, sanctifie le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple les racheter. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous t'en prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, l'Esprit Saint que nous avons reçu et qui habite en nos cœurs, nous fait recevoir de Jésus les paroles que le Fils adresse à son Père et qu'il nous donne pour nous apprendre à prier son Père qui est aussi notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie,
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps qui viennent. Tout d'abord, dans cette semaine, jeudi 23 juin, adoration du Saint-Sacrement à 19h, ce sera la dernière adoration du Saint-Sacrement avant la dispersion du temps de l'été. Samedi 25 juin, il n'y aura pas de messe à 8h, ni 9h, ni midi, en raison de la grande joie des ordinations sacerdotales qui seront célébrées à 9h30 par le cardinal. 4 jeunes hommes deviendront prêtres pour le diocèse de Paris. Vous pouvez arriver nombreux, des chaises vous attendent sur le parvis, il fera beau, et vous pouvez venir à partir de 8h30, 9h moins le quart, pour être sûr d'avoir de la place. Les portes de la cathédrale réouvriront pour tout le monde, pour le public, à 16h. Par ailleurs, vous aurez noté que le dimanche 26 juin à 11h30, ce sera la messe d'action de grâce qui sera célébrée par le père Pierre Tondé, qui, avant de retourner dans son diocèse, dans le diocèse de Koudougou, dans le pays du Burkina Faso, après avoir passé presque 10 ans ici, prendra le temps de remercier le Seigneur pour son ministère et aussi prendra le temps de nous rencontrer. Nous pourrons lui témoigner ainsi notre amitié au cours d'une rencontre à l'issue de cette messe dans les jardins de la cathédrale. Nous pouvons aussi lui témoigner encore plus. Une enveloppe se trouve à l'accueil. Mardi 21 juin, c'est la fête de la musique. Vous le savez, la cathédrale s'y associe. À 19h30, il y aura le concert chœur et orgue de la maîtrise. 20h45, grand orgue avec les étudiants du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. 22h45, le film Cathédrale vivante. 23h45, le film Réjouis-toi Marie. Les portes fermeront entre 00h30 et 1h du matin. Enfin, chaque jeudi et samedi à 21h15, vous pouvez voir précisément cet opéra d'image Réjouis-toi Marie. Pour terminer, vous avez reçu ce document pour préparer le 850e anniversaire de notre cathédrale Notre-Dame. Cela, bien sûr, vous le savez, commencera le 12 décembre 2012 pour durer une année. Vous pouvez l'emporter, ce papier, c'est très important, vous lirez tout ce qui se prépare, et en particulier et surtout l'inscription pour la journée du 15 octobre, la préinscription avant le 14 juillet. Je compte sur vous, c'est un samedi, on partira le matin, on reviendra le soir, on ira à Saint-Benoît-sur-Loire en particulier, sur les traces et les pas de Maurice de Sully, on passera à Sully-sur-Loire, et c'est Mgr Damias qui présidera la messe avec les moines de l'abbaye, donc à Saint-Benoît-sur-Loire. Alors inscrivez-vous sur ce talon et renvoyez-le. C'est important que toute la famille cathédrale soit très nombreuse ce jour-là. Merci d'avance. Et nous terminons notre prière avec notre archevêque. Nous mettons debout pour la conclure. Seigneur, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Salve Regina.